بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grand dire, tout remerciement et tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut se permettre et se l'aude. Nous rejoignons ce matin, mercredi comme d'habitude, pour nos classes tafsir al-Qur'an, tafsir surah al-Kahf. Alors sans plus tarder, après avoir qu'il nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, nous venons à nous siger. Alors alhamdulillah, nous finissons termine avec 12 versets, les 12 premiers versets dans surah Kahf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit déjà fini commence, cause concernant ban ashabu al-Kahf, dans ayat numéro 10, à partir ayat numéro 10, il commence cause concernant ban ashabu al-kahf. Alors quand il dit id am hasibta an ashab al-kahf wa al-raqim kanu min ayatina ajaba, est-ce que tu pensais que ban gens de la caverne et ban l'écriture qui tient là sa caverne là, alentour de sa caverne là, c'est parmi nous ban signe étonnant. Ensuite les commence détail l'histoire de sa mangène qui tient à cesse recours ou soit tient à cacher dans sa caverne là à partir ayat numéro 13. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit en adressant son rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit nahnu naqussu alayka, ayat numéro 13. Alors c'est 13, 14, 15 et 16, 4 versets inshallah ta'ala. أم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui dit nous pour donne-toi et nous relate-toi la vérité concernant l'histoire. نحن نقص عليك, nous pour réciter à toi, nous pour raconter toi, bil haqq naba'ahum, zut ban nouvelle, naba veut dire nouvelle, c'est-à-dire l'histoire là, nouvelle, l'information concernant ces histoires là, bil haqq, la vérité de ces histoires là. Nous pas venir raconter ban fausseté au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pour raconter toi la vérité concernant ces histoires là, nous pour donner toi la vérité de ces histoires là. Ensuite, il dit, innahum fityatun amanu bi rabbihim. C'était ban jeune qui t'amène iman l'ozut rab. C'est ban jeune qui t'y cachait dans sa cave là. C'était ban jeune qui t'amène iman l'ozut rab. Wazidnahum huda. Et nous fin renforcer zot la foi. Nous fin renforcer zot iman. Nous fin renforcer zot la foi, zot guidance, zot iman. Alors, donc, ça c'est le premier verset. Avec cette traduction, nous redialis, Allah peut adresser le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant nous, c'est-à-dire nous Allah, nous pour raconte-toi, nous pour relate-toi la vérité, l'eau, ban, genre de la caverne, concernant cette histoire, qui finit arriver, qui fait ce tchal là-bas, qui fait une rentre là-dedans, commettant ce fin rentre là-dedans, tout cela nous pour relate-toi au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innahum, sa ban là, c'était ban jeune. Alors, Allah commence à décrire, qui qualité d'immune ce tchété? Innahum fityatun, c'était man jeune qui t'avait grandi dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Amanu bi rabbihim, ce fin amène iman le zot rab, wazidnahum huda, et comme récompense, comme résultat, nous fin tini zot la foi fiam, nous fin renforci zot la foi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, nahnu, nous. Quand Allah dit « an », et souvent des fois nous finissons dire, dans le Coran, quand Allah dit « nahnu », ou soit les servis pronoms pluriel, « nahnu », ou soit « inna »,« inna »,« tarakna », alors ça, c'est, il y en a une signification. Il y en a une signification dans langage arabe, et il y en a aussi le causé qu'appelle « fait ta'avim quand causé ».« Fait ta'avim quand causé », alors ça, « nahnu » là, ici, c'est, on appelle ça, nahnu li ta'zim. Allah peut montrer son grandir, son capacité, son pouvoir. Et non pas, qui, comment quelqu'un dit, mais dans notre livre même, dans notre Coran même, peut dire qu'ils ont rab,
notre créateur, il plus qu'un, parce qu'il dit nous, au pluriel. Non, Allah est unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dieu, Allah est unique, et il n'y a pas de naissance personne, il est samad, tout dépend de lui, il n'y a pas de dépend de personne, il n'y a pas de naissance à personne, et personne n'a pas de naissance. Et donc, il n'y a aucune ressemblance, Allah n'a pas personne qui ressemble à lui. Donc, ça s'appelle nahnu li ta'zim. Nahnu li ta'zim. Nous-mêmes, dans nos langages, nous avons un service à ce style-là, par exemple, nous dire, côte nous pas badiner, côte nous pas badiner, donc, dans sa façon-là. Alors, ça s'appelle nahnu li ta'zim, et pena pluriel, ici, Allah n'est pas plus qu'il en. Nahnu naqussu alayka naba'ahum. Naqussu, c'est-à-dire, nous pour raconte-toi. Qassa yaqussu veut dire, raconte-toi au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous pour lire, nous pour réciter à toi l'histoire. Nahnu naqussu alayka naba'ahum. Naba veut dire, khabar, l'information. Naba. Et dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle sourate An-Naba. Sourate An-Naba, le premier sourate dans Juz Amma, dans 30e juz, sourate An-Naba, Amma yatasa'aloun, ani naba'il azim. Naba. Naba'ahum. Naba veut dire l'information concernant sa ban jeune-là. Naba'ahum bil-haq. Qui calte l'information au bout d'un temps au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? L'information qui est vraie, peine à eu de fausseté dedans. Ensuite, Allah a commencé. Innahum, certainement, sa ban-là. Innahum fitya. C'était ban jeune. Fitya, c'est le pluriel des fata. Veut dire jeune garçon. C'était ban jeune. Groupe. Garçon, fitya, pluriel. Innahum fityatun amanu birabbihim. Amanu birabbihim. Et ban jeune, qui était au sommet de notre jeunesse, la force, qui était dans notre beauté, et tout, qui chose en cours. Alors, malgré qu'ils étaient jeunes, qu'ils ont fini faire, amanu birabbihim. Je t'amène iman dans notre Rab. Je t'amène iman dans notre Rab, ça montre nous, qui quand tu es ban jeune-là, tu es déterminé pour vivre dans l'obéissance à Allah. Subhanahu wa ta'ala, et là, une grande leçon à nos bannes jeunes aujourd'hui, qui fait que là, nous peut faire tendre la drogue, comme avait fait ravage dans sa société-là. Chacun peut combattre la drogue dans façon qui ça, les pétroliers, les bons, et la question, est-ce qu'il est correct, et pas correct, sans prendre en considération. Chacun peut amener un combat contre la drogue. Alors, la question qui nous est posée, c'est une envie 101. Sauve nos bannes jeunes. Alors, premier, qui chose qui nous a fait, c'est attache avec dîn Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais-je comprendre gravité la drogue à travers Coran et Sunna. Fais-je comprendre qui trappe ibadat Allah, ça pour, et d'autres pour quitter la drogue. Trappe ibadat Allah, et ça pour, et d'autres quitte la drogue. Alors, séquestre d'autres, d'une bonne façon, éloigne d'autres plutôt, garde d'autres loin de ça, l'environnement malsain, ça, l'environnement mal propre là. Et attache zut avec dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est Coran. Ça, c'est principe Coran. Comment Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Établir la salat parmi les ibadat, ils ont besoin trappe faux. C'est pareil, comment ça va le jeûne fin faire. Attache zut avec Allah. Et une façon d'attacher nous avec Allah, c'est accomplir la salat. Allah peut dire, inna salata, établir la salat, car certainement salat, Tanha, écoute bien. Tanha anil fahsha wal munkar, li empêche al fahsha. Salat pour aide-toi, pour empêche, pour aide-toi, pour éloigne-toi depuis al fahsha, un grand péché, wal munkar, et tout ce qui appelle le mal. Et tout ce qui appelle le mal. Donc, peine à doute, créa, ça c'est meilleure façon pour nous combattre la drogue, pour nous combattre ça fléau qu'appelle la drogue là. C'est atas nous jeune avec salat, attache avec masjid. Pareil, comment ça man jeune là fin trouver et exilé, sorti dans sa place là. Qu'est-ce que ça man jeune là? Qui fait une quitte d'autre l'endroit parce qu'il est roi, la place où tu peux rester là, tu fais faux zut pour commettre shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tant que nous restons dans l'environnement qui est entouré avec ban malpropreté, ban fléau, alors c'est difficile pour nous tirer nos ban jeunes, pour nous empêcher nos ban jeunes être infectés par ce ban fléau là. Nous obligés de quitter, nous obligés de faire sacrifice, quitter, faire hijra, c'est bizarre. Sauti dans cet endroit-là, elle reste dans notre place, qui est plus saine, qui est plus correcte. Alors, comment ça va, jeune, là, tu fais? Innahum fityatun amanu bi rabbihim, the fitya, c'est un iman, lo Allah. Comment bizarre.
Je crois, je tiens un iman ferme, avec des déterminations, le Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fait nous en retour, zidnahum huda. Quand nous partageons avec Masjid, nous partageons avec Allah, Allah pour augmenter nous la foi, il pour augmenter nous guidance. Donc, tant que nous n'avons pas fait zéfou ou sa zéfou, qu'appelle, n'a pas vu qu'à pratique d'in en place, et dans l'immoralité, et la désobéissance à Allah, obligé de quitter. Et ça, c'était un sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam. Par exemple, quand il est dans Makkah, deux fois, il fait envoyer dans Sahaba dans l'Abyssinie pour aller rester là-bas, pour aller pratiquer le dîme plus facilement. Lui-même, finalement, il nous a quittés. Il nous a quittés. Il essaie à Taif. Là-bas, il n'a pas une bonne réponse. Il nous quitte depuis là-bas. Ensuite, il quitte Makkah complètement. Il finit à Madina. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Alors, nous faisons augmenter notre connaissance, nous faisons augmenter notre iman, nous faisons augmenter comment dire, détermination afin qu'ils se cramponnent avec dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est la leçon principale qui nous tirait là-dedans. Si nous avons envie de combattre un fléau, nous besoin de quitter ça l'endroit-là, nous besoin de bouger, nous besoin d'attacher avec dîn Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ayat numéro 14, Allah dit, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Nous augmentons notre guidance. Ensuite, il dit, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Rabata veut dire attacher. Attache, zut l'équerre. Qui veut dire ça? Ça, c'est traduction littérale. Rabatuna ala qulubihim, nous fin, affermir, zut l'équerre, clair, l'eau, la vérité. Ça veut dire, rabatuna ala qulubihim. Nous fin affermir, zut l'équerre. Si l'équerre, la connaissance, iman, guidance, fin ancré dans l'équerre, pein a qui est capable d'égorger ça, ça dit moun. Alors, zut quitte, zut pays, zut quitte, zut l'endroit, je ne sauvais depuis ce peuple, je ne guérirai fils dans sa carrière là. Alors, Allah fin, renforce notre iman, il raffermit notre l'équerre, il se pose d'une façon, parce qu'il fait, je ne quitte, je ne quitte l'endroit, je ne quitte notre famille, je ne quitte tout, quitte chose derrière je fin, vin, rôde secours avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous fin raffermir notre l'équerre, ensuite, je fin dire, id qamu faqalu. Ça m'a déjà là, fin dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nos rabs, c'est pas ce qu'ils ont pu adorer, c'est pas ce qu'ils ont pu adorer comme idole et man statue. Nos rabs, c'est Rabbus Samawati wal Ard. Nos rabs, c'est Allah, Rabbus Samawati, Rabb de man l'échelle et la terre. L'an nad'ouwa min dounihi ilaha. Nous pas pour adorer personne à part lui. Parce que, l'endroit que tu peux rester, maintenant tu peux adorer les autres à part Allah. Je peux commettre shirk. Je peux commettre shirk. Alors, ça maintenant, tu es faussé pour faire pareil. Je suis pas d'accord, ça m'a jeune là. Je viens sauver, je viens quitter. Je viens aller, je viens le refuser, par là, je viens trouver une caverne, je rentre là-dedans. Ensuite, je peux dire, qui fait, je viens sauver. Je dire, l'an nad'ou min dounihi ilaha. Nous, Rab, c'est Allah. Nous ne pouvons pas adorer personne à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idhan, Chatata. Et alors, nous fin dire, ben là, chatata, je fin, commettre un quelque chose, un péché flagrant. Sinon, nous, tu veux dire, un quelque chose qui est flagrant, un quelque chose qui est pas correct, un quelque chose abominable, si nous, tu dis pareil, comment je peux faire aux ban, habitants des salons d'endroit quand tu étais là. Alors, dans sa deuxième ayat Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, nous fin raffermir, nous fin affermir, je te l'équerre, quand je te fin lever, je te fin dire, ce peuple, nous, ados, nos robes, c'est celui qui vient créer les ciels et la terre, nous ados seulement Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, si nous pouvons dire pareil, comme azot, nous pouvons dire une parole qui est abominable, qui n'a pas correct. C'est-à-dire, dire, nous ados, ben, les autres statues, ben, les autres idoles, nous, ben, les autres divinités, apporte Allah, ça c'est une chose abominable, nous pas nous ça. Donc nous venons à ce tafsir. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Nous finissons tenir notre équerre ferme. Nous finissons affermir notre équerre. Nous finissons consolider notre équerre. Qui fait? Parce que ça va là, finissons quitter l'endroit. Finissons quitter notre famille. Finissons quitter tout quitte. Il n'est pas facile pour quitter tout quitte chose, pour sortir dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas une question facile, ça. Alors, à cause ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fintini, zut l'équerre. Alors, c'est un point de doa qui nous a fait, régulièrement. Allahumma thabbit quloubana
ala dinik. Oh Allah, tini nous le kefem, le te din. Tini nous le kefem, le te din. Alors, ça m'en j'en là, qu'a fait une trouve. C'est qu'ils ont peuple commet, d'une débouté, d'une dénonce actosa. Il qu'amou, faqalu, rabbuna, rabbu samawati wal ard. Je fais une débouté, je fais une informe, je fais une annonce. Ce peuple qui nous le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous puis adosis Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous innocentes, nous, de ce qu'ils ont de pied adorer. Nous pas ado, ce qu'ils ont de pied adorer, je peux faire chier. Nous ne pas ado ça. Nous, Rab, c'est ça, qui s'en a? Faqalu Rabbuna, Rabbu samawati wal ad. Nous, Rab, c'est pas un tel betel, mais nous, Rab, c'est Rabbu samawat wal ad. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, propriétaire de Salimon là, Khaliq, le créateur, c'est lui qui contrôle l'univers. Ça, c'est nos rabs. Et nos rabs, c'est pas ce qu'ils ont pu adorer. Et ensuite, je dis, لن ندعو من دونه إلها. لن ندعو من دونه إلها. Nous n'avons pas pour ado en Dieu Allah et l'autre ila. Nous pour ado seulement Allah, la ilaha illallah. C'est ça qu'ils ont fini. Lan nad'ua min dunihi ilaha. Veut dire, la ilaha illallah. Lan, nous pas pour nad'ou, adorer, apporte Allah, en l'autre ilah. C'est la signification de la ilaha illallah. Donc, tawhid. Ça m'en grosso là. Ça m'en jeune grosso là. C'est le tawhid. Donc, un point man qui t'ose, qui poutine nous faire, contre ban mari haut et bas, contre ban désobéissance, contre ban obstacle dans nos chemins, c'est t'inifirme le tawhid. Tini ferm, l'eau, l'autohid. Combattre la drogue, dénonce la drogue, dans ma façon, dans le cadre islamique. Combattre zina, dans le cadre islamique. Mais c'est moi, petite chose qui peut nous ferme, pour protéger nous les saints. C'est tawhid Allah, c'est salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'an nadwa min dounihi ilaha, laqad qulna idhan shatata. Laqad qulna idhan shatata. Alors, si nous pouvons faire pareil comme Azot, si nous pouvons faire pareil comme Azot, là, nous, tu peux dire une parole de kufr, de shirk, retiens-nous en dehors nous dînes, qui ne t'y veut pratiquer. Si nous pouvons dire pareil comme Al-Qulna Idan Shatata, sinon, si nous pas dire ça, nous pas dire qu'il nous adore Allah, nous, Rab, c'est seulement Allah, subhanahu wa ta'ala, Rabbu samawati wal ard, nous tu dis pareil comme Azot, je peux dire, qui est l'autre, il a apporté Allah, laqad qulna idhan shatata, définitivement, tu peux dire une parole de kouf, de shirk. Alors, ça, c'est, nous deuxième verset, leçon principale là-dedans, mon frère et ma sœur. Alors, attache-nous avec tawhid, révise-nous tawhid, révise-nous, nous tawhid, dites est-ce qu'il vraiment, nous le tawhid, c'est lui qui le tawhid, il y a une sécurité, dans dunya, dans qabar, et dans akhirat. C'est là qu'il promet ça, Allah subhanahu wa ta'ala. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من كنا من إيمان هلو إذا pas mélange cet iman avec shirk أولئك لهم الأمن الله بيجي سامانا définitivement زوجي أمن sécurité أولئك لهم الأمن وهم مهتدون زوجي sécurité dans dunya dans qabar et dans akhirat et سامانا سبان bien guidé سامانا سبان bien guidé. Ça, c'est nos deuxième ayat. Nos troisième ayat pour ce matin. Saman Janna continue de dire, ha oula iqawmuna. Ha oula iqawmuna. Ittakhadhu min dounihi aliha. Ça, c'est nos peuples qui nous finissent sauver des bannes là. Qui ont fini faire? Qui péché ont fini faire? Qui erreur ont fini faire? Ha oula iqawmuna. Là-bas, c'est nos peuples. Qawmuna. Ittakhadhu min dounihi aliha. Ça fait une prend. Ban aliha. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Laoula ya'touna alayhim bi sultan imbayin. Est-ce qu'ils sont capables d'amener une preuve pour prouver qu'ils gagnent droit à dos et l'autre apporte Allah? Est-ce qu'ils sont capables d'apporter une preuve pour justifier ce qu'ils ont pu faire là? Bayin, sur le sultan imbayin, une preuve claire. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Qui s'en a qui plie pire, qui c'est lui qui cause mentir au Allah. C'est-à-dire, pas exister ça. Pour le redonner une preuve, pour gagner une preuve, qui pour prouver qu'il gagne droit à dos, un autre apporte Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, challenge, un défi,
Isaban Jannat, il lance à ce peuple. Ah, haoulaï qawmuna. Sabana, c'est nous, peuple. Sabana, c'est nous, peuple, que nous, tu peux rester ensemble avec eux. Ittakhadou, ittakhadou, veut dire, fin prend. Min dounihi, apporte Allah, aliha, ban aliha. Plusieurs divinités, je tu peux adorer, apporte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a des tafsirs ici. Soit, je tu peux adorer Allah, et ensemble avec ça, je tu peux faire shir. Soit, je tu peux adorer, apporte Allah, tout qui t'ose. Ça, c'est des tafsirs qui m'ont l'ulama fin donné. Est-ce qui, sabana, pour capable, amène une preuve, pour prouver ce qu'ils peuvent faire, pour prouver ce qu'ils peuvent commettre, pas exister ça. Ça est là dans le Coran, Allah s'est révélé beaucoup, en grande quantité. Est-ce qui, Allah fait une descente à une preuve qui gagnera faire shirk? La réponse est non. Alors, je dis, faman, aghlamu, mimman iftara ala Allahi kadhiba. C'est un mensonge, le Allah. C'est un mensonge. C'est lui qui perd d'eau, un autre apporte Allah. Comme si dirait, il fait cause un menti, le Allah. Il peut revenir dire qu'il gagne droit à dos, un autre apporte Allah. Quand Allah dans le Coran, il n'a aucune place, il fait dire, et dans ma livre, qui t'y descend avant, dans l'époque de Saban Janna, livre qui là, tu fais descendre, jamais tu n'as sa bonne preuve, comme ça, là-dedans. Alors, je ne suis pas capable, c'est un challenge, un défi que Saban Janna peut lancer. Faman azlamu, mimman iftara ala Allahi kadhiba. Haoula iqawmuna. Ça, c'est nos peuples. Alors, je peux justifier, je peux donner raison, je peux donner, man raison qui fait, je te fin, quitte ce peuple, je fin sauver. Qawlu haoula iqawmuna, ittakhadhu min dounhi aliha. Parce que nos peuples, fait une preuve en divinité en dehors Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont pas capable de prouver qu'ils ont le droit de faire ça, qu'ils ont osent, alors ils viennent sauver des autres, et qui s'en a qui plus injuste, qui, c'est lui qui fait une cause mentir au Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, une leçon principale qui nous tirait là-dedans, c'est cause mentir au Allah, c'est un parmi les plus grands zulm. Commettre shirk envers Allah, c'est parmi les plus grands zulm, comme Allah peut faire nous connaître dans surah Luqman, quand Luqman peut dire à ce garçon, Ya bunaya, la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. N'a pas fait mettre associé, n'a pas commis shirk avec Allah, parce que shirk c'est plus grand l'injustice qui existait, le salaté là. Alors, ça même, c'est un petite chose qui, des générations en générations, de communauté en communauté, de ummat en ummat, fin koni, qui shirk, ça même plus grand l'injustice qui est commis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'importe qui ça là, il a envie de quitter, n'importe qui péché, il y a envie de quitter n'importe qui, sortir dans depuis n'importe qui fléau, qui existait sur la terre, les bisins réveillent son iman. Ils retournent vers Allah. Les diman tauba. Ils font istighfar. Ils retournent vers Allah. Subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Ils purifient ce l'équerre. Ils purifient ce tawhid. Ils améliorent ce tawhid. Ils trappent ce salat. Et avec salat, doucement, doucement, tawhid, salat, les restes vont quitter chose pour améliorer dans la vie. Parce qu'il tient un sahabi, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui, il dit, faire salat, il dit, présent avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans masjid, il dit, présent dans mon siècle de la connaissance, mais insan, il y a une faiblesse dans lui, assois les spéciales coquins. Assois les spéciales coquins. Ensuite, mon sahaba finit dire, ya Rasulullah, qui sait-il, il fait salat, et quand il finit ce outil, depuis là, il y a le coquin, assois. Il pouvait dire, laisse-le, ce salat pour empêcher le coquin. Parce qu'il fait, Allah dit, inna salat tanha anil fahsha wal munkar. Si nous siégons dans nos salat, il peut empêcher nous pour commettre un grand péché et ban le mal en général. Alors, c'est un erreur qui s'est un djimoun fait. Par exemple, un djimoun, il commet un erreur. Fait qu'on va dire, un djimoun, il fait film synthétique. C'est moi, il fait ce salat. Il est régulier dans ce salat. Mais c'est moi, il a une vis dans lui, il a un manquement dans lui, il fait film synthétique. Alors, c'est un djimoun, il dit, qui salat tu fais ta, tu prends la drogue? Non. C'est, nous peut contredire principe Coran et Sunnah. Rasulullah dit, laisse-le, ce salat pour empêcher-le. Parce que salat, c'est une qualité ibadat qui empêche nous pour commettre ben, les autres désobéissants, pour tomber dans ben, les autres péchés. Nous obligés de faire salat. Il y en a du monde pensé, quand il y a péché dans l'île, il ne vient pas faire salat. Non. Il vient faire salat. Au contraire, un pas ben, meilleur moyen, meilleure façon, empêche un du monde commettre péché, c'est salat. C'est salat. Alors, c'est ça même, qui, Saman Janna, fait ressortir ici, nous fait sauver, depuis eux, nous peuples, les faits qui vont être commettre shit, nous fait retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, fait raffermir nos l'équerre, fait protéger nous, fait augmenter nos iman à travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui plie injuste le la terre, c'est celui qui met associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, dernier verset pour ce matin, ayat numéro 16, je dis, wa idhi atazaltumuhum,
وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُوْ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Allah fait continue, raconte l'histoire des mangeants de la caverne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ. Et puisque ce film coupe tout lien, coupe tout pont avec sa manjimoula, qui fait tuer comme être chit, وَمَا يَعْبُدُونَ, et avec ce qu'ils ont tué adoré, c'est-à-dire sa manjimoula, il coupe tout pont avec sa peuple-là, avec sa communauté-là. Il coupe tout pont, tout relation avec Banna, et aussi avec sa ban idole qui va n'être pas adoré là. Je n'ai rien à faire avec ça. Un innocent Dieu dit ça. Wa idha i'tazaltumu, i'tazala veut dire couper, distancer avec Banna. Wa ma ya'budun, et ce qui est pas adoré illa Allah. Je ne distance avec kouf avec chel, je ne rapproche avec Allah, excepté Allah. Je ban coup point avec Allah. Je ne connais bien attache-nous avec Allah. Bien grandi dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est ban jeune. Alors, il y a un lien, une ressemblance entre ce qui nous rassoule l'India et ce qui, ça va une jeune là, tu veux pratiquer. Ça va une jeune là, t'es un dîne, tu es qui est un jeune, il vient grandir dans l'obéissance à Allah, il y a une protection à Allah. Dans nos dînes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a sept catégories d'imoun, qui bougain refuse dans l'ombrage trône Allah, les jours du Qiyama, quand pas pour aucun l'ombrage, excepté l'ombrage trône Allah, Lydia, parmi ça, c'est là, il y a Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui fait une grandie dans l'obéissance à Allah. Alors, si nous avons gagné, refuse, nous avons gagné protection, Allah subhanahu wa ta'ala, dès nos jeunes âges, attache nos bons enfants avec Allah, attache-nous avec masjid, attache-nous avec salat, attache-nous avec leçon d'in, ça qui vous protège. Alors, Saban Janna, si pareil, peut dire, ouais, il dit, atazal tumuhum. Allah peut raconter sur le sol, Saban Janna fait une coupe pont avec sa peuple-là, avec ceux qui se sont adorés, fa, ou, il a le kafi. Je fais une cesse refuse dans sa caverne-là, sa caverne, dans un tafsir, il dit, je t'habitue là-bas, je t'habitue sauvé à le cacher dans sa caverne-là pour adorer Allah, et dans l'autre tafsir, il dit, non, je ne viens, je ne trouve une caverne qui est confortable, qui est capable de cacher de zut, personne ne va vous trouver zut, je ne rentre, là, là-dedans. Yanshur lakum min rabbi, lakum rabbukum min rahmati. Quand on cache dans sa caverne là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait une répandre sur rahmat l'osid. Quand on attache nous avec Allah, rahmat Allah descend. Dans nos dînes aussi, ça c'est dîne avant ça. Allah peut relater nous, ben, genre du kah, comment je suis le tawhid, et comment je suis pratique de dîne. Pareil, quand nous aussi, pareil, dans nos dînes. Si nous, coster avec Allah, nous coller avec Allah, dans le siècle de la connaissance, Rahmat Allah descend. Je dis une masjid. Alors, cesse, refuse dans masjid. Pas reste dans sa société qui peut pourrir, qui peut gâter, qui peut aller à la dérive. Rentre dans masjid. La case masjid. Masjid la case. N'a pas sauté en dehors. Parce que nos sociétés, les jours en jour, puis aller vers la décadence, puis aller vers la dérive, plus qui avant-hier, de jour en jour. Au fil des jours, qui chose peut dégrader. Alors, Rasulullah dit, puis n'a aucun groupe d'immunes qui joignent dans la case, pas même dans la case Allah, pour apprendre le Coran, pour réciter entre eux, pour apprendre din, excepté qui, nazalat alayhim sakina, wa rashiyatum rahma. Sakina descend, l'os à l'assemblée là, et rahmat, Allah répand sur rahmat, l'os à l'assemblée là. Donc, quand nous coussions avec Allah, Allah sur rahmat pour descendre. Allah sur sakina pour descendre, l'eau nous. Alors, c'est pareil, comme ça même, ça va une jeune là, Allah dit, l'effet qu'ils ont fait, coupe tout pont avec Banna, ils ont fait bien faire, ils ont fait coupe tout pont, tout lien, tout rapport avec Ban idole qui Banna tu peux adorer, ils ont fait une cachette dans sa cave là, nous répandre nos rahmat, l'ozut, yanshur lakum rabbukum min rahmati, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Et pas juste ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les répandre sur miséricorde, l'ozut, et les pour, donner un issue convenable, c'est-à-dire pour faciliter toute petite chose pour eux, et dans sa cave là, pas besoin tracassé. Et les poufers les viennent en place. Yuhayi lakum min amrikum mirfaqa. Les poufers sa cave là viennent en place facile pour vous rester. Allah pour transformer dans façon qu'il a si vous voulez dans sa époque là. Allah pour faire sa cave là viennent en place facile, une place que vous sentez à l'aise, une place
cause pas pour gagner aucune difficulté. Et plus devant, il vous venez, Inch'Allah, vraiment, c'était une caverne qui a là, comment dire, une guide pour aller dans sa caverne là. Il y a une façon qu'ils ont pas pu gagner leur du soleil quand ils levaient le matin et quand ils couchaient l'après-midi afin qu'ils ne pas affecter les autres. Le soleil tape plein les autres et les autres gagnent des difficultés. Alors, Allah, tu fais une façon qui sa cave là, il te vient une place confortable, à l'aise pour les autres rester aussi. Voilà donc, ça c'est nos quatre versets qui nous font prendre aujourd'hui. Alors, leçon principale qui nous tirent là-dedans, et surtout nous jeune sur la Kahaf, il y a beaucoup de leçons, surtout dans ce commencement et sur la fin. Jusqu'à sur la fin, parce qu'il cause beaucoup de jeunes qui t'avaient Moussa, les salam, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de leçons pour nos jeunes et aussi pour nos parents. Alors, ma maman, ma papa, ils ont dit tracassé, pégaloup droite, gauche, pégaloup dans mon centre, désintoxication pour amener nos enfants là-bas. Pour qu'on ait un parent, ils dépensent pour centaines de milliers de roupies pour amener nos enfants. Nous ne pouvons pas dire arrête à leur centre désintoxication. Nous ne pouvons pas dire ça, non, loin de ça. Mais seulement nous pouvons cause effort colossal qui beaucoup de frères peuvent faire pour combattre la drogue, qu'il y soit au niveau familial, qu'il y soit au niveau dans la société, peu importe. Mais malheureusement, malgré ça, nos jeunes peuvent chuter et réchuter, peuvent réchuter par les mêmes. La meilleure façon pour nous capables mettre contrôle nos jeunes, c'est montrer eux l'importance, attache-nous avec din Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance, vivre dans un environnement sain. L'importance, salat. L'importance, révise nos aqidah. Guettez si pas nos aqidah. L'île au tawhid ou bien non. Ça qui vous sauve nous. Ça qui vous donne une sécurité. Allah fait une promesse. Il vous donne une sécurité dans dunya, dans kabar et dans akhirat. Voilà. Alors ça, c'est le message principal de sa quatre versets là. Ô man jeune, retourne vers Allah pour Allah protéger toi. Retourne vers din Allah pour Allah protéger toi. Trappe tawhid sérieusement. Trappe salat sérieusement. Ça qui vous sauve toi de man décadence. Ça qui vous sauve toi de man fléau qui peut manifester dans la société. Et ses promesses, Allah, Allah se promesse parmi une fausse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire à Ibn Abbas, ihfadillah yahfadka, préserve Allah aux jeunes garçons, les tiennent petits garçons, les tiennent à 8 ans, 9 ans, à l'époque-là, ihfadillah yahfadka, préserve Allah, Allah pour préserve toi. Préserve limite Allah, Allah pour préserve toi dans ta santé, dans ta jeunesse, dans ta richesse, dans ta famille, dans tes enfants, dans ta madame, si tu es une madame enfant, et ihfadillah, préserve Allah, tajilhu tujahaka, tu retrouves Allah avec toi, c'est-à-dire aide Allah avec toi. Alors, Inch'Allah, ça vendredi là, nous avons l'intention pour cause l'eau là. Une parmi les meilleures façons pour combattre la drogue, c'est attache-nous avec salat. Une parmi les meilleures façons pour protéger nous, pour combattre la drogue, pour sortir dans la drogue, c'est attache-nous avec salat. Nous avons l'intention pour cause là, ça vendredi là, Inch'Allah, dans Masjid Ibn Al-Qayyim à Montida, Inch'Allah, ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qui nous fait écouter aujourd'hui dans nos lekiyas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nos jeunes vers le droit chemin, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nos jeunes, les ouvre les lekiyas, les fait comprendre la gravité, la drogue et l'importance salat et tawhid dans nous la vie. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et nous allons autres qui presque un mois pas peut faire les sons le mariage après l'islam qui supposait faire chaque mercredi après la Salatul Isha live, le pass, Al-Hudawan No Trust Fund. Alors, c'est pour une raison, et tiens à une raison, le côté de la conseil public, tiens à une raison encore, mon cher Timoris. Et aujourd'hui, il peut coïncider avec nos, réunions qui nous fait mensuellement. Alors, réunion, mon frère Al-Hudawan No. Alors, aujourd'hui aussi, ce soir, pas pour une, laissons Iman, laissons le mariage après l'islam. Inch'Allah, nous pourrons prendre à partir la semaine prochaine. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.